bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de la T-Box. Alors pour moi, là, ça a été un coup de cœur, vous le savez. Ça fait peu de temps que je commence à boire du thé grâce à Hedroen qui m'a fait découvrir certains thés. Et surtout, j'ai appris le temps d'infusion. J'ai appris aussi par rapport au thé vert, au thé noir, le rooibos, le thé blanc. J'ai appris énormément de choses grâce à Hedroen qui a une chaîne sur YouTube, donc du coup si j'y pense, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et franchement, j'ai appris énormément et j'ai réussi aussi à découvrir certaines saveurs que je ne connaissais pas du tout. Et là, je me suis dit, la thé box, ça va être fait pour moi. Donc j'ai reçu la thé box le mois dernier qui se présentait comme ceci. Voilà. En plus, gros coup de cœur quand je l'ai ouvert. Dans un premier temps, le packaging, on a l'impression que c'est un livre. Et en plus de ça, le thème était respecté vraiment, à fond les ballons. J'ai pratiquement tout testé de la première T-Box. Elle est presque vide. J'ai pratiquement tout testé. Et franchement, le menu était super bien fait. Enfin, quoi, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Donc là, j'ai vraiment hâte de la découvrir. Alors, je viens de l'ouvrir, donc je pense que c'est un plateau. Oh oui, le Tea Time, c'est génial. La box, elle est au prix de 19,99€, report compris. Excusez-moi pour le bruit, hein. Bon, ça se défait tout seul, formidable. Regardez-moi ce beau plateau. Avec la lumière, je ne sais pas si vous voyez, hop. Pour mettre le petit thé, puis les petites gourmandises. Il y a toujours des présents dedans et ça fait vraiment plaisir. Ils ont des box aussi en édition La Fête des Mères et il y a une autre box, je ne me souviens plus son nom. Je ne me souviens plus du tout comment elle s'appelle. Le packaging est vert et pareil, je crois qu'il y a deux petites tasses dedans. Donc j'ouvre. Waouh, elle est trop belle. Tendre à la vie. Ouais. Alors, c'est sur un fond avec des roses vraiment bleu ciel, si vous pouvez voir. Et à l'arrière, j'ai un petit texte qui est écrit sur la boîte. Je vais vous lire. Au point du jour, une lumière douce et claire, de blanc et d'or, nos premiers instants. Tendresse et émerveillement se mêlent dans un coffret imaginé autour du partage. Ça, c'est mes valeurs. Chaque saveur est une invitation à apprécier l'éphémère qui est fait de regards attentifs et de gestes généreux. C'est tout à fait mes valeurs. L'instant de bonheur se partage le bonheur. Avec la dernière chanson de Christophe Maé qui me parle beaucoup, là, cette box pile poil se chuchote en confidence comme une douceur dont se délecte encore et encore. Et bien moi, à la fois, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, l'ouverture, on a un grand élastique qui tient le tout. Et là, je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Je ne sais pas le contenu, je n'ai pas voulu voir. Ça se présente comme ceci. Voilà. Ce que je vais faire comme le mois dernier, je vais vous montrer, parce que sinon ça va tomber, et je vous reprends tout de suite. Alors, on ouvre. À l'intérieur, on va retrouver une petite rose, petit mot tendre pour écrire à quelqu'un, mot tendre. Moi, c'est tout de suite ma maman qui me vient en tête là quand je vois ça, parce qu'elle adore les roses blanches. On va retrouver... je voulais goûter. Dites-moi pas qu'il va y avoir ça dans la T-Box. Oh, c'est les nouveaux chocolats Lindt, je voulais goûter. Le menu. Et on va voir ça ensemble. Oh, y a encore des fleurs. On verra ça après quand je vais vous reprendre. Donc, je vous montre comment ça se présente à l'intérieur. Oh, si, ils sont là. Yes, yes. Des petites gourmandises. Voilà. Vous voyez, pour le prix, elle est vraiment bien garnie. Donc, c'est parti. Je vous reprends. Donc, on va retrouver trois petites roses comme ça en papier. Dont une, on peut écrire ce que l'on veut. Une violette qui va écrire la tendresse. Un des secondes qui bat plus lentement que les autres. Et la bonté en parole amène la confiance. La bonté en pensée amène la profondeur. La bonté en donnant amène l'amour. Ça, ça me parle, c'est de Lao Tse. J'adore. Ensuite, le menu qui se présente comme ceci. C'est un menu qui,
Enfin, moi, le premier était vraiment complet. On retrouve, en fait, donc l'édito qui se retrouve derrière la boîte, ce que je vous ai dit tout au début en introduction, et on retrouve chaque thé de la box avec une petite histoire, le temps d'infusion, le temps de degré, s'il faut le prendre en journée, en soirée. Là, je vois même qu'on a même recette en même temps qui peut s'accompagner avec le thé. Donc voilà, alors je ne vais pas tout vous lire au niveau du menu, je vais vous montrer au niveau des thés, mais c'est vraiment respecté, même au niveau, vous pouvez voir des couleurs comme le mois précédent. Alors, je vais commencer par le haut. Donc, on va retrouver de la marque Statch. Alors ça, c'est ce que j'aime bien, c'est que moi, je ne connais rien en thé, donc j'apprends aussi à découvrir au niveau aussi des marques. Hein. Canneberge Grenade. Si vous connaissez certaines marques ou au niveau du goût, dites-moi. Breakfast in Paris, c'est un thé noir petit déjeuner à Paris. Tisane orange gingembre au soleil. Et un petit déjeuner énergétique thé noir et maté. Voilà. Ensuite, alors palais d'été, j'en ai entendu parler. Donc ça va être très bien, je vais pouvoir... Thé noir à la bergamote, ça je pense que ça va me plaire parce que là je bois le Russian Earl Grey à la bergamote agrume. C'est un de mes thés préférés. Pour le moment, je n'arrive pas à trouver un autre thé qui va me détrôner celui-ci. Donc, on va bien voir donc, au niveau des saveurs. Hein, parce que Lipton, bon, voilà. Hein. Mais là, c'est quand même la grande marque. Donc, il y en a deux. Et délicieux thé vert de Chine. Voilà. Ensuite, on va retrouver des petits sachets. Donc, on peut bien... Alors, infusion détox au baie de goji. Et à chaque fois, je vous en reparle un petit peu des thés que j'essaye. Hein. Thé noir cerise kirsch qui s'appelle Omar Chéri Jardin de l'Ermitage. Voilà. Ensuite, on a une création de Tamia et Julia, le Tea Time, thé vert sans chat de Chine, crème de fraise. Oh bah dis donc, note de fraise, de rose, de mangoustan, de fraise des bois, de fruits de la passion, de pamplemousse, de crème de rhubarbe. Morceaux de framboise, de fraise et de mangue. Oh, alors ça, à mon avis, ça doit dépoter. Je pense que ça, ouais, ça va me plaire. Ensuite, une création toujours de Tamia et Julia. Il s'appelle Tendresse, China Oolong Coco. Coco, graisse de coco, sucre, citronnelle, arôme, à infuser avant avril 2018. Oh, ça aussi, quelle belle découverte. Et je ne regrette pas, franchement, je vous la conseille. Je vous la conseille. Et là, je vois... sur les gourmandises, mais oh, mon Dieu, les rochers, c'est artisanal en plus. Alors, c'est de qui? Il y a écrit Speculaus. Donc, trois rochers, noix de coco, c'est un de mes gâteaux préférés. J'adore la noix de coco, les bounties, tout ça, j'adore. Oh, oh là là, génial. Ensuite, une autre gourmandise, la biscuiterie Jules Destropper. Voilà, petit gâteau comme ça, souvent ce qu'on retrouve avec le thé pour mettre sur le petit plateau, ça va être génial. Et là, je suis trop contente. Ah, je comprends mieux pourquoi il y a une abonnée, je me souviens plus, c'est qui? C'est Mélanie, je crois. Oh, je me souviens plus. Il y a une abonnée qui me dit, mais attends, ce que j'avais mis un post sur les nouveaux chocolats Lindt. Moi, vous savez, ma gourmandise, et j'adore les chocolats Lindt. Et là, le noir avec la framboise et autres fruits, je me suis dit, ça doit être trop bon. Mais bon, vu le prix, bonjour, quoi. Et je vous l'ai demandé. Et elle m'a dit, mais sois patiente, attends. Et bien voilà, donc je vais pouvoir tester. Et je vais voir dans le menu s'ils le mettent avec quel thé pour l'accompagner. Donc là, c'est framboise et cranberry. Voilà, c'est des petites boules. Et on retrouve à l'intérieur la framboise. Et ben, que dire de négatif de cette boîte? Pour moi, il n'y en a pas. C'est comme je vous ai dit le mois dernier. Donc on a en plus notre plateau... pour moi, c'est une box qui est vraiment de découverte. Le thème, il est respecté. Le packaging, il est au top. Le site, il est au top. L'envoi, il est au top. Le contenu, il est au top.
en question de matière de découverte, c'est au top. Moi, franchement, c'est ma découverte de 2016. Il va falloir que je me note sur un calepin parce qu'au niveau make-up et autres, j'ai fait beaucoup de découvertes et je ne vais jamais y repenser quand il va falloir que je vous fasse la fin de la vidéo des découvertes 2016. Même si je ne vais pas vous faire milieu d'année, style le mois de juin, admettons, ou faire une vidéo de janvier à juin, mes découvertes, parce que là, mais en tout cas, je peux que vous la conseiller, cette box. Pour celles qui adorent le thé, vous allez être ravis. Et pour celles comme moi qui sont quand même novices, on fait des belles découvertes et c'est ce que j'apprécie. Et voilà. Après, si vous avez peur de ne pas tout tester, c'est pas grave. Vous mettez dans une boîte, soit vous gardez vos boîtes, les recyclez. Et puis après, vous testez au fur et à mesure. Enfin, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.